Alors bonjour à tous, dans ce deuxième épisode, nous allons découvrir ensemble le logiciel QGIS, qui est un logiciel qui va nous permettre de traiter les trois jeux de données que nous avons téléchargés dans l'épisode précédent. Donc nous allons découvrir ensemble son interface, avec notamment quelques réglages, et notamment la vue de l'explorateur, des couches, et également l'outil marque-page qui va nous permettre de mémoriser un emplacement favori dans l'ordinateur, et également une notion très importante en cartographie, et le système de projection, le SCR, qui en France est le Lambert 93. Mais sans plus attendre, allons voir sur Internet où est-ce que l'on peut télécharger QGIS. Donc QGIS, quand vous cliquez sur votre navigateur et que vous cherchez QGIS dans Google, vous tombez sur QGIS.org, c'est le site officiel, et vous cliquez ensuite sur télécharger. Va s'afficher ici un onglet. Donc on vous dit ici que vous êtes la dernière version, c'est la 3.22.3, qui est sortie le 14 janvier 2022. Mais en général, en production, on utilise une version stable, c'est la 3.16.16, c'est la long time support. Donc quand on déroule, ici, vous voyez, on a 3.22, on ne va pas la prendre. On va prendre la version long terme, la plus stable, c'est la 3.16. Tout simplement. Donc ça, c'est l'installateur autonome qui va permettre ici en point MSI, qui va vous permettre, quand vous le téléchargez, d'installer QGIS sur votre machine. Donc vous installez QGIS et puis on se retrouve sur le logiciel. Quand ici on démarre QGIS, on se retrouve ici sur une interface où il n'y a absolument rien, sauf si vous avez travaillé sur des projets précédents, vos projets risquent de s'afficher. Donc dans un premier temps, nous allons cliquer sur vue et puis sur panneau, et dans panneau nous allons cocher deux panneaux, le panneau des couches et le panneau de l'explorateur, parce que on va en avoir besoin. Donc ces deux panneaux, l'explorateur se retrouve ici, le panneau de couche il est ici, et nous allons rechercher maintenant dans l'explorateur les trois jeux de données que nous avions tout à l'heure. Donc je clique, voyez, sur accueil, là je vais cliquer sur desktop puisque c'est sur mon bureau que je l'ai mis. Je l'ai rangé dans TIS, je l'ai rangé ensuite dans tutoriel, et dans tutoriel je l'ai téléchargé, téléchargé tout ça dans carte de circuit. Alors si vous voulez mémoriser cet emplacement, je vous suggère de faire un clic droit sur le dossier et de faire ajouter au marque-page. Si bien que ensuite vous l'avez ici. Si j'agrandis le panneau, j'ai ici mon emplacement préféré qui se retrouve ici. Donc ensuite on clique sur les petits triangles et on va retrouver l'ensemble des documents que l'on aura récupérés tout à l'heure. À la fois BD Topo pour la couche des communes, les écoles de La Rochelle Sud qu'on a récupérées dans l'annuaire, et puis les secteurs scolaires de la ville de La Rochelle. Mais avant d'afficher les couches, il faut vérifier. Alors ici, vous avez ici le PSG 2154. Vous voyez, si je clique dessus, je suis en Lambert 93. Quand on clique dessus, si vous n'êtes pas en 2154, ça veut dire que vous n'êtes pas dans le Lambert 93. Et par défaut, vous risquez d'être en WGS 84, qui est la projection pseudo-Mercator ou Google. Donc en France, on se met en RGF 93, c'est le Lambert 93,
Et vous voyez qu'ici, je suis sur la bonne zone géographique. Et vous faites appliquer. Vous faites OK. Donc ensuite, eh bien, si je reviens dans mon marque-page, je déploie. Et puis ici, eh bien, je vais commencer par prendre ici dans le dossier ZIP. Je clique dessus, je récupère un verre et je fais un glisser-déposer. Et vous voyez que plein de petits points vont s'afficher sur ici mon aperçu. Alors si on n'était pas dans la bonne projection, le petit point ne se serait pas affiché. Donc ensuite nous allons aller dans BD Topo pour afficher cette fois-ci les communes. Donc je déroule les menus. Je vais ensuite dans données ici, le premier dossier. Ensuite, j'ouvre BDT, SHP, et j'ouvre également, il y a plein de choses, les lieux nommés, l'hydrographie, le bâti, mais nous, on va s'intéresser au dossier administratif, et notamment SHP, je le prends et je le dépose. Alors, vous voyez que la couche commune s'est affichée par-dessus les écoles, donc je vais glisser la couche des communes sous celle des écoles pour que les écoles réapparaissent. Donc maintenant, on a différentes communes, on a nos écoles. Il nous reste maintenant à faire, afficher, cette fois-ci, les secteurs scolaires. Donc ici, j'ai les secteurs scolaires zippés, Je clique pour ouvrir et puis ce nom là qui est pas très parlant, mais c'est Input Convert Geofile. Voilà, vous le prenez et vous le glissez ici. Donc même problème, pour avoir les secteurs sous celui des écoles, vous voyez, je glisse et je vais mettre les écoles par-dessus. Donc maintenant, on a trois couches avec différents objets. On a la couche commune, et vous voyez que ce sont des polygones. Ensuite, on a la couche ici des secteurs scolaires de la ville de La Rochelle. Là aussi, ce sont des polygones. Et ici, on a les écoles. Alors là, c'est une couche de points. Donc, pour nous y retrouver, nous allons d'abord les renommer. Donc, je fais un clic droit et je fais renommer la couche. Donc, je les appelle école LR Sud. Voilà, ensuite, clic droit également ici sur cette couche et je vais l'appeler secteur scolaire La Rochelle. Et puis ici, les communes, je les laisse comme ceci en commune. Pour l'instant, notre projet n'a pas de titre, donc nous allons immédiatement enregistrer tout cela en faisant projet, enregistrer sous. Et vous voyez que moi, je vais me mettre ici dans mon dossier ici tutoriel, puisque je vais travailler ici carte de circo. Et puis, je vais l'appeler, par exemple, tuto carte de circo. Mais vous l'appelez comme vous voulez. Donc, ce sera un fichier dont l'extension est QGZ. C'est le format propre à QGIS. Vous faites enregistrer et cette fois-ci, vous avez votre projet qui commence à s'enregistrer. Pour que ce soit un petit peu plus parlant, nous allons double-cliquer sur la couche des secteurs scolaires. Et vous voyez que pour l'instant, on est en remplissage continu, simple, et nous allons cliquer ici pour faire un remplissage uniquement de bordure ligne avec par exemple ici du noir et on va mettre une ligne de pointillé en faisant appliquer OK. Donc vous voyez, si je zoome, j'ai désormais des petits pointillés qui délimitent mes secteurs scolaires. Ici je peux afficher les étiquettes pour pouvoir mieux les reconnaître. Donc je clique ici sur étiquetage. Ici je n'ai pas d'étiquette, donc je mets étiquette simple. Et vous voyez que l'étiquette par défaut, c'est le premier champ, donc je vais aller chercher le champ libellé pour avoir un étiquetage un peu plus intéressant.
Ici, je peux me mettre, vous voyez, j'ai différents onglets, je vais me mettre sur l'onglet afficher un tampon, je clique dessus et je fais appliquer. Si bien que vous voyez, maintenant j'ai les noms des différents secteurs scolaires sur la ville de La Rochelle. Alors on pourrait faire de même sur la couche des écoles, hein, vous voyez, si je fais étiquette, je vais mettre étiquette simple, je vais mettre les noms d'établissements. Et vous voyez que très rapidement, la carte devient très vite surchargée. Alors par contre, vous voyez, si je laisse les étiquettes, on s'aperçoit tout de suite que, vous voyez, ici, il y a un problème d'encodage. Donc on va double-cliquer sur cette couche. Et puis ici, au niveau de la source, eh bien, vous voyez, on ne va pas se mettre en Windows 1252, hein, on va se mettre en UTF-8. Pour que l'encodage soit correct. Et vous faites appliquer. Voilà. OK. Et vous voyez que maintenant, on n'a plus ces problèmes d'accent qui sont mal encodés. Alors, pour que la carte reste lisible, eh bien, nous allons décocher les étiquettes des écoles, hein, en mettant pas d'étiquette. Hein. Voilà. Maintenant, eh bien, vous voyez qu'on a également la couche des communes, hein, et on a beaucoup plus de communes que celles qui nous intéressent, puisque nous, on va s'intéresser uniquement à la couche eh bien, des écoles La Rochelle Sud. Mais nous verrons dans un autre tuto comment sélectionner simplement les communes qui nous intéressent. Si on résume ce qu'on a pour retenir dans ce deuxième épisode, c'est tout d'abord que dans l'interface QGIS, eh bien ici, si je reviens au départ, hein, c'est tout d'abord qu'on utilise la version QGIS 3.16, hein, point 16, qui est la version stable. Hein, parce que la version 3.22, c'est une version plutôt d'expérimentation, hein, qui n'est pas exempte de bugs. Donc ensuite, eh bien, au niveau de l'interface, dans le panneau de vue, il faut sélectionner la vue couche et la vue explorateur pour faire apparaître ces deux panneaux, hein. Vous pouvez afficher aussi la vue statistique, mais nous n'en avons pas besoin pour l'instant. Donc ensuite, eh bien, apparaît en 1 votre explorateur, en 2 votre couche, et dans l'explorateur, vous allez chercher vos couches que vous déposez dans le panneau de couches pour voir vos couches apparaître et se superposer au fur et à mesure. Attention, sur le point 3 ici, hein, vérifiez bien que vous êtes en projection Lambert 93, donc avec un EPSG à 21,54. Hein. Ça, c'est très important, sinon votre couche ne sera pas correctement affichée et projetée dans le bon référentiel. Je vous donne rendez-vous pour l'épisode 3 et je vous dis à bientôt.